Et salut à toutes et à tous, bienvenue sur Planète Trippy, la chaîne des aventures vidéoludiques. J'espère que vous allez bien. Bon voilà, du coup aujourd'hui on continue le petit Bayonetta premier du nom en difficulté apothéose. Et du coup voilà, on enchaîne quelques chapitres je pense jusqu'à ce qu'on fasse la route 66. Et après on arrêtera pour cette session, enfin, je verrai le temps que ça me prend mais voilà. Bref, allez on est parti. Ah, j'ai oublié de faire un truc. Je vais le faire. Deux secondes. Juste ce que je vous avais dit en fait lors de la précédente session qu'on allait changer de tenue pour le fun. Et du coup j'ai oublié de le faire là. On va changer de tenue pour rigoler un peu. Alors, costume A, B, E. Costume gym. Costume dark. Divers. Ouais, pom pom girl. N'importe quoi. Nostalgie. Bras. Ouais, bon. Y a pas de tenue qui me plaise vraiment. Comme celle de Jeanne d'Arc. Jouer avec cette tenue. Ton nom est chapitre. Voilà, on est parti. Cette tenue avec son papillon dans le dos. D'ailleurs j'essaie d'achever le bleu et il y a le rouge qui m'emmerde. Oui, mais dernier bleu. Mais d'enchaîner les coups. Hein. Ah.
si le morceau où je suis là, ça va pas tomber dans le vide. Qu'est-ce que je pourrais mettre c'est le rosé magnifique. C'est un peu bien utile. Oh putain, mais c'est bon les mecs là. Arrêtez de me bouffer quoi. Ah bah non, apparemment ils ont promis d'arrêter. Bref, allez. Une sucette. J'essaie de nous bouffer. La lune de Makala, ça. Putain, mais ça va les mecs là, à bondir à gauche, droite, enchaîner là, je peux rien faire, c'est sympa. Oh là là. Deux de moins. Et ben, ils m'ont bien saoulé. Vu qu'on pouvait tirer. Ah
tu vas venir là que je t'achève là. Ah, le problème c'est que je suis encerclé donc c'est un peu compliqué d'esquiver tous les attaques. Alors, le corbeau est censé être par là. Ah, il est où? Mais il veut pas qu'on monte sur les objets. Les éléments du décor. Bizarrement sur celui-là elle arrive à monter. Voilà. Le prochain il est dans un verset de défi. Le verset numéro 8. Je regarde comment on va justement activer le verset numéro 8. Après les destructions de la marge de la tour. Ah oui, c'est au fond de la tour. Ouais, bon, vu que de toute façon mon score il va être pourri parce que je suis mort. Je vais me soigner puis je vais aller récupérer des sucettes. D'un côté. Thank you.
Merde. Putain, j'avais le droit à une attaque là, sadique. Je pense qu'il y en a. Lui. Or quand même. Je sais pas si ça vaut le coup de prendre ses armes. Ouais, non. Ça va être chiant sur les ennemis. Hein. Comment ça se fait que je me fais attaquer là, j'en ai rien à faire. C'est bon, deux secondes. Je peux pas toucher les ennemis, ils arrêtent pas de se barrer. Fait toucher. Alors, l'autre corbeau d'Apocalypse est censé être là. Il est là. Parfait. J'ai besoin de récupérer. Au moins de terminer le défi pour le récupérer. Au final, pour le moment, il n'y a qu'un seul corbeau que j'ai pas pu prendre parce qu'il fallait faire un défi. Peut-être qu'au final, si j'avais utilisé la bonne stratégie pour faire le défi, j'y serais arrivé. Mais bon, là, de toute façon, après avoir tous les corbeaux, ça permet surtout d'avoir toutes les larmes de l'Umbra. Sachant qu'il y a des larmes de l'Umbra aussi à choper en faisant des succès en fait. Quand on a toutes les larmes de l'Umbra en fait, on a accès au bracelet Climax. C'est celui-là. Le bracelet d'Apothéose, pardon. Qui permet qu'à chaque coup en fait, automatiquement on fait des invocations. Mais le problème, c'est que quand on l'utilise, ben, ça bloque la récupération des comment ça s'appelle. Ça bloque en fait le scoring. On n'a plus accès au classement en fait. Et on peut plus faire des trucs de platine. Voilà. Bref. Attendez, je vérifie juste qu'il y avait bien que deux corbeaux. Un petit peu de vie là. Essayer de lancer tout de suite une attaque
Sadique sur l'ennemi. Voilà, platine. Moi je pense, après faut voir les combos. Ouais, platine pure. J'allais dire, je vais me faire tuer par ce truc, et ben voilà. Pourquoi en fait elle s'est pas accrochée au rebord? Une seringue. Technique. Non, je pense à autre chose. Ouais, du coup, je vais rééquiper le talisman éternel. Non, testament éternel. Ah mais il est déjà équipé, ça me l'avait rechangé. Il me semblait bien que j'avais mis ça tout à l'heure, non? Même plus. Bah, quand j'ai dit tout à l'heure, pour vous c'était dans la vidéo précédente. Thank you.
bouche en plus. Mais je pousse le joystick vers lui pour le choper avec la lune de Marikala et rien qui passe. À nouveau. Bon, normalement, là, faut retourner en arrière pour faire inverser des filles, mais je le fais pas. J'ai dit, je les ai tous listés dans la difficulté normale dans les premières vidéos. Retour de la relou. Elle compte mes attaques, elle les esquive en plus. Ah voilà, là t'as bien pris cher. Ah là aussi t'as pris cher. Ah la blague quoi. Dès l'apparition, elle m'a eu avec ça. Contre ça, là, ça me saoule. Du coup, j'arrive pas à taper suffisamment vite pour contrer son coup. Là, j'avais l'impression que j'y arrivais en difficulté normale, mais difficulté supérieure, elle est plus rapide. Ah, l'esquive. Voilà. Tu vas y rester, oui. Quand même. Il y a Saltine encore. Un peu hein, quand même les têtes de mort. Ça va être un chapitre qui va être vite terminé celui-là. Enchaîné, il y a juste un corbeau à récupérer, il n'y en a pas deux dans celui-là.
Allez, j'essaie de poser une bombe, j'arrive pas. Quoi. Ma vie sur le tout premier combat. Oh là là. Je suis quasiment mort. Bon, ça vous dérange pas, je vais quitter et recommencer. Parce que ça m'embête. Non, c'est autant de merde. Bête de perdre toute ma vie dès le premier combat, ça me semble. Ce que je vais faire, c'est que je vais changer mon deuxième combo d'armes. Voilà. Je vais affronter avec les griffes comme ça, enflammées, comme ça au moins elles me blessent pas. Quoi. Ah là là, vous allez me laisser une demi-seconde là que je peux poser un peu des bombes. Mais le fait que j'ai relancé le chapitre, ça m'a fait perdre ma vie supplémentaire, moi. Mon cœur là, qui me permettait d'avoir plus de... Mais bien sûr. Quand même. Abusé. Hein. Mais en fait, au final, ce que je pense que j'aurais dû faire, c'est ressortir le sabre séduction. Parce que séduction, apparemment, je prenais pas de coups quand je l'ai frappé avec aussi. Alors qu'avec Shuraba, on prend des dégâts. C'est pas grave, de toute façon, je suis pas non plus à la pour avoir le platine de partout. Je suis content quand je le fais. Hein. Non, mais la blague, c'est bon. Hein. Alors, le corbeau, il est là-bas.
loupé. Non mais putain, vous me saoulez là avec votre vieux rebord glissant. Comme je leur mets cher. Pour le coup, il m'aura fallu quand même attendre l'apothéose pour bien réussir les jeux. Bon, j'avais pas remarqué en fait qu'en leur tirant en dessus, au bout d'un moment, ça les faisait tomber. Rageant d'avoir platine pure ici, alors que le coup d'avant j'ai tout perdu. Le premier verset là, j'ai fait bronze en plus d'utiliser un objet, donc du coup, c'est mort. Oh, platine. Oui, ok. En plein combat, d'un coup ils m'ont mis ça, j'ai pas compris. Exprès de contourner lui qui était quasiment mort pour aller m'occuper de l'autre avec une attaque sadique. Je l'ai touché au passage. Bah ouais, forcément mort du coup. Sinon j'aurais eu platine. Mais... ouais, moi au final je me rends compte que je suis pas si mauvais. Hein. Ça va. Du coup, je vérifie maintenant, il n'y a bien qu'un seul corbeau dans ce chapitre. C'est au chapitre 8, le prochain. Ouais, là, il va avoir le relou. Les relous, même. Le fait qu'ils soient dans un escalier, j'arrive pas à les toucher avec mon attaque du Shuraba. Ah là là, il m'a tué. Oh là. Oh.
Ouais, tout ça parce qu'au début j'ai perdu toute ma vie lors du premier verset. Bien chiant. On fait toucher que ça. À moitié transparent, hein. Pas très bien comme ça. Ah, pourquoi je gardais l'attaque sadique? C'était pour moi que je fais le dernier.
une bure quand même. Ça me dirait pas de m'en donner un peu de la vie. Vraiment non. Ouais, attendez, acheter des trucs. Je fais n'importe quoi, je suis désolé. Alors là, il va falloir esquiver instantanément parce qu'on se fait attaquer dès le début. Ce que je me rappelais. Hein. Pas avec le deuxième. Ah bah. Ils sont chiants à contrer les coups quand on attaque en frontal. C'est le foulard. Chiant parce que par moment, selon le placement de la caméra, ça fait disparaître tout le monde. Là, on voit à moitié à travers, du coup, j'arrive pas trop à voir si c'est pas. Toujours pas n'importe quoi spécial. Avec la fausse Bayonetta qui a récupéré aussi. Ah bah parfait. Putain, je suis vraiment dégoûté d'être mort au début là, comme un con. Que j'avais réussi à aller plus rapidement qu'elle en fait, et du coup j'apparaissais les lasers qu'elle me lançait apparaissaient derrière moi en fait. Trop si c'est pour en pas. Allez, révèle ta vraie forme.
Il y a la réception avec un Tetsuko là, rien compris. La caméra là, je suis pas sûr. Ah merde. Il crève. Oh là là, quand même. Yes. Ouais, bah de toute façon c'est la fin du chapitre. Pierre encore. Ah non, bon. Du coup on va se faire le boss, après on enchaînera avec la mission route 66 avec la moto et puis j'arrêterai là. Histoire d'avoir à peu près le même découpage que pour le mode difficile. Tac tac tac, petit ouze. On a 32 heures de jeu quand même. Après, de toute façon, là, si on veut performer, avoir la platine de partout, quand je dis la platine, c'est la statue de platine, quoi. Il faut connaître les versets et les chapitres par cœur, en fait. Et connaître aussi au mieux les patterns de chaque ennemi aussi, pour pouvoir en permanence anticiper leurs mouvements, leurs attaques, les contrées, etc. Et en utilisant le combo que j'utilise d'armes, là, de toute façon, c'est celui qui préconise pour quasiment tout le jeu Shubara avec les griffes de feu, et en fait, bah, ça passe tranquille, quoi. On voit bien, là, je suis en apothéose, mais j'arrive quand même à faire, justement, les scores requis. En fait, j'attendais d'esquiver son coup, je croyais que j'avais suffisamment endommagé pour pouvoir appuyer le monter dessus. Hein. Ah voilà, ça. Vrai qu'il n'y avait pas eu justement la petite animation où on doit reculer. Ah oui. Pas vraiment ce que je voulais faire. Voilà,
Ah putain, mais je l'ai esquivé là. J'ai esquivé un poil trop tôt. Ah putain, il a encore renvoyé son courant d'air de merde. Ouais, écoute, je me suis fait toucher trop de fois, j'avais bien géré au début. Mais... quand je suis arrivé sur lui, là, je me suis fait toucher bêtement. Parce que celui-là, c'est un combat qui est pas non plus très long ni très difficile. Avoir le platine, c'est pas compliqué. Juste, bah, esquiver au maximum, c'est cool. Ouais, je devrais avoir or, je pense. Ah non, argent. Ah bah ouais, effectivement. On fait suffisamment de dégâts et j'ai pris beaucoup trop cher. D'ailleurs, je crois qu'on peut utiliser une sucette pour devenir invincible quand on affronte sa tête à la fin. Ça permet quand même d'avoir le platine. Je suis pas sûr hein. Si on a le platine dans les deux autres, normalement, c'est... ah, ouais, c'est bon, je sais. Bon allez, route 66. 660. Oh putain, ouais. Non, c'est pas lui que je voulais choper, c'était l'autre. L'autre est plus dangereux. Ah yes. Je vais lui poser une esquive plus long moment. Ah non. En annulant la forme de corbeau, ça m'a décalé en arrière en fait. Je suis pas une esquive en arrière.
Ouais, c'est bon. Avec tous les dégâts que j'ai pris à tomber. Ici, il faut gérer en plus les véhicules qui arrivent. Avec la caméra qui monte pas le trafic, c'est pas évident. Sans résistant en plus, c'est con. Il a réussi à esquiver mon attaque avec le Churaba, là, il me saoule. Blessé par les véhicules, quoi. Hop, seringue. Mais saoule ces bagnoles de merde là, allez! En plus, je sais même pas s'il y a un certain ordre. Ah si, ça a l'air de partir de la droite à gauche. En venant à chaque fois d'une ligne différente. Ah, je me saoule. Hein. Partie des pires ennemis, cela. Mais oui, mais bien sûr. Juste explique-moi comment il m'a touché, quoi. Putain, je suis quasiment mort. Ah bah ouais, j'espère bien que j'ai fait de la platine. En gros, en temps. Sinon je crevais. Quoique. Ouais, on s'en fout en fait de mourir. Donc, j'ai déjà de toute façon utilisé une seringue, je crois que ça change un peu grand chose. On va quand même se soigner. Bon, je referai le plein une fois fini le niveau. Bien déjà qu'on voit pas grand chose avec le placement de la caméra, là, avec les griffes que j'ai dans le dos, c'est encore pire.
lag, je vais mettre les barrières à droite. Ah là là, mais je vois rien avec cette caméra. J'aurais dû me poser une vue à la première personne. On aurait vu les yeux de Bayonetta. On aurait vu ce qu'on faisait, quoi. C'est avoir la médaille d'or. Généreux. Je me suis pris quoi là? Apparemment, c'est tellement le bordel. On comprend ça. Qui vole par là. Moi j'étais censé voir la voiture là. Ouais, je l'avais vu. Demi-seconde trop tard. Ah bah ouais. À la fin, il y a encore un combat. Voilà, fallait mettre une caméra comme ça, là on voit quelque chose. Moi. Allez, on va sortir l'invincibilité. Puis allez, puissance. Ah, vous faites moins les malins, hein. Est-ce que je leur ai mis? Putain. Bronze? Ah non, pierre. Ouais, j'ai pris beaucoup trop de dégâts, et puis avec tous les objets que j'ai utilisés. D'ailleurs, c'est pareil, on sait même pas en fait les têtes de mort exactement ce que ça fait. On sait pas si ça réduit. De combien de points ça réduit. Du coup, c'est un peu compliqué de savoir si on peut réellement ou pas utiliser les objets. Oh, la blague.
Ouais, il y a encore un boss, ça. Ah non, c'est pas tout de suite, c'est vrai. Ce qui me semblait, je réfléchissais au boss qui est dans l'eau, mais en fait, non, c'est bizarre. Ouais, bon bah voilà, du coup, je vais arrêter là. Juste avant, aller refaire le plein d'objets. Ah, du coup, ça se termine assez vite, hein, les chapitres. Dans le moment où on traîne pas trop à retourner en arrière, récupérer les objets, bon, les, ouais, les objets, puis aussi les portails, là. Enfin, ça avance quand même assez vite. Quoi. De toute façon, je crois qu'en normal, du coup, par rapport à bracelet du temps qu'on peut récupérer en... de façon legit sans utiliser de cheat code comme moi je l'ai fait, on peut les récupérer en faisant en terminant le jeu en fait en difficulté minimum normale je crois et le terminer en moins de 3 heures. Donc ça veut dire que bah voilà, le jeu il se termine en 3 heures en ligne droite quoi. Si on fait que les versets obligatoires et qu'on avance tout droit dans les niveaux, bah, voilà, ça se finit en moins de 3 heures. Bref, voilà, bon bah du coup j'espère que cette nouvelle session vous a plu, qu'elle vous sera utile aussi. Une fois, vous voyez, à part quelques versets où on doit s'adapter un petit peu, changer d'arme, il faut tester un peu, voir les armes qui fonctionnent le mieux. Mais grande majorité, ça passe avec les griffes de feu aux pieds et Shubara dans les mains. Shuraba, pour. Donc voilà, je pense que, au moins j'espère que tout ça vous sera utile. Allez, je vous laisse, puis bah, du coup je vous donne rendez-vous demain pour la suite de notre périple sur Bayonetta. Mais du nom en apothéose. Allez, bon jeu à toutes et à tous. Ciao, ciao.